Nous pouvons continuer le message. Le... Qui met ça, nous pouvons plus c'est le moment, nous pouvons encore rappeler. Choisir pour servir le Seigneur, gloire à Dieu. Et continuez là. L'année prochaine, nous pouvons continuer là. Moi, je peux terminer ça l'année là. L'année de grâce, je peux continuer, moi, c'est sans disparition. Gloire à Dieu. Nous venons de la Bible. Quand nous faisons l'étude encore, le bon Dieu a tout en cours. Ben, le message va continuer, gloire à Dieu. Ben voilà, plusieurs versets nous détenons, Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 10. Esaïe 41. D'ailleurs, le Esaïe 41 qui m'a dit ça, mais ça. Ô Israël, mon serviteur, toi que j'ai choisi. Dieu choisit nous pour être son serviteur, pour être à son service. Alors, Deutéronome chapitre 14, nous lisons Deutéronome chapitre 10, Deutéronome chapitre 7, nous détenons ça. Toujours quand je peux écrire, pas seulement content d'écrire. À la grâce à l'étudier. Parfois, je pense 3-4 versets, moi. Par exemple, grand-matin, on peut lire Deutéronome chapitre 12, il y a 32 versets là-dedans. Non, Deutéronome chapitre 12, il y a 32 versets. Vous connaissez combien de fois, bon Dieu, c'est là, c'est ici que je garde au moins, c'est dans ce lieu-là que je me choisis pour recevoir ma sacrifice. Et quand mon compte, 9, 10, 11 fois, je l'ai compté. C'est ça le lieu-là. C'est ça le lieu-là qui m'ont choisi. Parce que les païens, les autres qui font d'autres sacrifices, c'est qu'ils font Dieu, montagne, en bas-pied, c'est pas qu'ils ont fait. Bon, on t'a choisi un bon lieu. Et qui lieu nous peut connaître pour la présence de Dieu. Quand ça coupe dans Genèse 28, il y a une révélation. Répète au miatoire. Il y a une révélation, laissez-le descendre, balance, puis descendre, vous allez laisser là. Parce que Jésus-Christ pour expliquer ça dans Jean chapitre 1er. Il t'a sonné cassé. Il dit, pas tu connais ce bon Dieu là. Je ne savais pas. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Après, il dit, un lieu, c'est un endroit. Dans celle-là, dans la famille, soit Dieu te choisit un lieu spécial au cavale dans ton présent. Dans ma présence. À cela, Jésus-Christ, n'importe qui lui est bon Dieu pour nous. À cela, le lieu nous rassembler. Il a le lieu nous rassembler. Mais bon Dieu nous la carte aussi. Bon Dieu nous travaille dans le cœur. Et là, il y a Jésus-Christ, peut-être sa madame samaritaine. La femme dit, je te peux dire, vous allez vous aller voir au bon Dieu. Mais nous, quand tu es au bon Dieu, quand montagne là, nous ne pouvons pas que Jacob est descendu là. Là, c'est ce qu'il y a les femmes. L'air peut venir, une fille est venue. Quand là, ni à Jérusalem, ni le montagne, pas de bonté. Bonté, c'est un vrai adorateur en esprit, en vérité. Qui ne fait pas Jérusalem. Jérusalem, c'est le temple qui existait. Je ne pas participer, observe parole de bonté. C'est l'apparence. Même on ne pas vivre de l'apparence. Hein? L'apparence fait semblant. Vous voyez qu'il soit le réel. C'est-à-dire qu'il dit, non pas Jérusalem. Bonté, c'est un vrai adorateur en esprit. Là, qu'il soit aussi vrai. Vous faites quelque chose dans la vérité. Le pétan moi là, avec vérité. Pas faire semblant, pas remplir l'actrice. Non, c'est réel. Donc. Alors, vous dites ça, Deutéronome chapitre 12. Écoutez, on vous dit ça. Le lieu qui choisir. Alors, on va vous réétudier encore. On va vous expliquer Esaïe 41. On va vous réétudier Deutéronome encore. Mais seulement, on va vous ouvrir un verset. Nous, verset de base qui nous va dire dans Jean 15. Après, on vient de l'Esaïe. Esaïe, nous, chapitre 14, nous, chapitre 41, nous, chapitre 42. Mais tu peux réétudier, vous trouvez bon, tu peux reconnaître causé. Tu peux t'en moi là? Gloire à Dieu. Alors, je crois que nous ne connaissons pas au cœur. C'est nous qui est dit. Les gens vous disent qui parole, qui bon Dieu, dis moi. Avant de sortir, je vais dans le dos. Alors, nous, il y a ça, Jean 15, verset. Là, je vais prendre des bois. Il y a ça, Jean 15 ans, net en entier. La Bible dans la main, il y a ça, Jean 15 ans, bout en bout. Mais là, nous allons prendre verset 16. Alors, 2 Jean 15, verset 16, évangile de Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Qu'est-ce qui peut causer là? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. D'ailleurs, je parle bien ça, je peux causer un autre même là. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen.
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, parce que nous payons là. Après, verset 18, il dit, je vous ai choisi du milieu du monde. Ça, Paul, Pierre pourrait prendre ça plus tard. Deutéronome même 14, vous dire ça encore. Parmi ma nation du monde, je vais choisir les autres. Mais, d'autres qui parlent, qui Dieu qui demande dernier lèvre. T'as l'homme dit, bon, tiens, 30 secondes dans moi. Écoute-moi, écoutez là. Jésus-Christ dit, si vous lisez Jean 15, vous t'envoyez pour le pot, le fruit. Pot, le fruit. Papa se laisse content qu'on nous porte le fruit. Mais c'est, lui dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous serez mes disciples. Vous t'envoyez pour le fruit. Qui fruit nous fait porter? Juste, et vous savez, écoutez là. Fais attention. Si vous ne pas écouter là. Parce qu'il n'y a pas de fruit que vous ne pas porter. Vous les connaissez qui vont dire moi tout à l'heure là? Quand paraît comme ça pas agréable pour t'enlever, écoute bien. Je dis moi, pas pour de banque fruit amer et empoisonné. Qui m'a dit là? Pas pour de banque fruit amer et empoisonné. Mais toi, tu dis moi, je connais quoi le verset a été? Pas pour avoir la Bible là. Notre Deutéronome 32, verset 32. Moïse dit, manière qui va en Israélite peut faire. Dit, comment dire, manière Sodome et Gomorre, tu as dit, le père dit pareil. Vous connaissez Sodome et Gomorre? Oui. Hein, tu ne détruis la ville là. Il dit, manière Sodome et Gomorre, parce qu'il faut me lire, pas parce que je ne parle pas, parce que le peuple de Dieu là. Il dit, manière Sodome et Gomorre, tu peux dire, je la dis pareil. Et je peux pas de bonnes fruits amères et empoisonnées. Capable, bien, de bonnes paroles prononcées. Parce qu'on va créer l'amertume, pour aller en canne amère, ou bien paroles qui ont attendu. Ça arrive, c'est remis ça. Bonnes paroles, c'est même qui de la lamentation, il y a même qui te dit. Ben parole qui t'en dit qui empoisonne sur la vie. Ben à cause de ça, bien ça la bouche là. 15 messages, je ne sais pas sur là. Mais pas quand vous prenez 50 messages, il dépend de où ça. La pleine manière de veiller, ben parole qui sont aussi, pour qu'elle empoisonne les autres. Et bien, pourquoi les autres paroles aussi, qui empoisonne la vie. Mais... Est-ce que moi c'est clair là, ma famille? Pour porter le maman de l'autre ça, je n'ai pas envie de porter ben fruits amers, ben fruits empoisonnés moi. Mon envie pour le fruit de Dieu, qui apporte la joie, la paix. Ça, c'est une question pas bon. Bien dire lui, franc, pas couvert lui. Bien montrer que pas bon était et que bon était. Nous, on n'est pas vrai. Nous pas camoufler, nous pas tolérer aucune chose qui n'a pas bon. Ça, Paul explique ça en détail. Vous dites, si l'histoire pas bon, vous dire lui, pas bon. Ça, mes amis, il n'y a pas appel la nuit, les jours, la nuit. Et le monde s'appelle un autre langage. Pas appelle les chiens sacs ou bien sacs les chiens. Pas de l'ordre pour lui, mais ça, moi. Pas appelle un chien pésapé. Que t'as un sac pémiolé. Non, pas. Donc ça connaît. Moi, je fais un sac les chiens là. Pour lui, chien qui dit ça, on ne connaît pas que les autres disent. Quand un sac appelle un sac, quand un chien appelle le chien. Mais Zahir dit, n'a pas appelé les ours à soi ou bien à soi les ours. Non, je fais suivre la même famille. Nous parlons pas de bal fruit empoisonné, nous. Ni amère, ou détruire les autres, ou bien parler sur aucun fruit empoisonne la vie. Est-ce que moi c'est clair là? Je choisis les autres afin qu'ils aient allé. Est-ce que vous avez allé là? Quoi de faire aller? Je vais prendre la parole français pour moi. Qui est-ce? C'est 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller. De porter des fruits et des fruits durables. Mais est-ce que c'est dans ce qu'il dit là? Dans le Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller. Qu'est-ce que vous me dites là? Mission, d'aller en mission. Quoi faire aller? D'aller en mission. Et nous pourrions être de quelqu'un qui a en mission pour porter une choisir. De porter du fruit qui soit durable. Gloire à Dieu. Vous pouvez expliquer un peu là. Dis avec moi, bon Dieu, choisis moi. Mon cas servi. Au nom de Jésus-Christ. Mon ambassadeur. Mon messager. De Dieu. Mon demande message de Dieu. Pour porter aux autres. Mon mission. Pour apporter la parole de Dieu. Aux autres. Parce que bon Dieu, choisis moi. Vous faites ce travail au nom de Jésus. Amen. Avant que nous parlions dans Actes des Apôtres, tout à l'heure là, souvent nous habitons dans mon compte l'Esaïe là, quand on fait l'étude, nous avons Esaïe 41, Esaïe 14,
Esaïe 42, vous avez Esaïe 43. Esaïe 43. Quand vous avez tout versé, vous avez porté verset 10. Mais il y a tout un verset avant là. Adam qui vous dit, bon, d'après ce là, mais bon, vous pouvez prendre la porte verset 10. L'homme qui avant il vous dit, nous la valeur, l'ange est bon, etc. Verset 4, tu as dû prier à mes yeux parce que tu es honoré, que je t'aime. Je t'appelle pardon, pardonne-nous, tu es à moi. Tu traverses ban eau, ban fleuve, tu vas poursuivre mes toits pour nous aller, tu te mordes, tu fais la boue brûler, parce que ban épreuve, tu vas traverser. Ou passe par ban épreuve, ou sorti plus que vainqueur. Maintenant, nous avons verset 10. Esaïe 43, verset 10, apporté verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Dis avec moi, ça veut dire un témoin. Mais témoin est la parole de Dieu. Nous sommes témoins de Jésus-Christ, nous. Mais nous connaissons qui nous peut témoigner. J'ai un témoin. Un témoin de quand tu choisis dans la place Judas. Je dis que ça la semaine dernière. Tu viens choisir quelqu'un pour remplacer Judas. C'est là que le banquier qui depuis le commencement, tout là, depuis le baptême de Jean, Jésus-Christ s'est enlevé. Et dès qu'il y a un petit peu de candidat, c'est un Matthias avec Bar-Sabbas. Tu choisis un Matthias. Après, tu as dit Bar-Sabbas là. Il l'a mis. Par exemple, tu as mis 15, il y a une colonne dans l'église. Le pétard moi là, ben témoin, il y a tout qui sort, il y a témoigner. Si vous l'autre semaine, moi, vous témoignez Christ. Vous devez faire l'expérience, c'est vrai, pas vrai. La nouvelle naissance, et le miracle, bon, Dieu fait dans la Bible, la transformation, ou quatre témoignages, nous, on n'est pas vrai. Ou si on peut écouter là. Verset 10. Vous êtes mes témoins de l'Éternel. Vous, écoute bien qui nous peut dire là. Vous êtes mes témoins, vous, et mon serviteur que j'ai choisi. Les mettre vous après, et mon serviteur. Donc, moi, quand je mets mon serviteur, là, je mets mon nom. Je mets mon nom là. Vous êtes mes témoins d'Éternel, vous. Parce que le peuple d'Israël là, parce que avec le peuple d'Israël, et mon serviteur que j'ai choisi. Non, c'est pas que le serviteur choisi là. Mais ça, il y a 40 ans, hein, choisir. Choisir pour être le serviteur de Dieu. Choisir pour être au service de Dieu. Afin que vous le sachiez. Vous le connaissez. Que vous me croyez. C'est quoi, bon Dieu là. Et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et oh moi, il n'y a point de sauveur. Verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. C'est le point parmi vous, un Dieu étranger. Rédent, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Et je connais quoi bon Dieu, si personne ne peut pas opposer. Non, il ne veut pas vrai. Vous avez pensé verset 15. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Et toi, les bonnes noms que je vais prononcer, ma famille, la bonne cause rédempteur. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, qui est votre roi. Ainsi parle l'Éternel. Là, Lionel, il explique tout ce qu'il fait avant là. Par rappel à la mère, où il s'est écarté. Là, ils arrivent à prononcer ça de la parole de Dieu là. Qui fraya dans la mer un chemin. Qui la mer me causait là? La mer rouge d'eau. Qui la mer elle me causait là? La mer rouge. La mer rouge, pas de sécurité, même pas mis. Qui fraya dans la mer un chemin. Personne ne peut penser ça. Même Moïse pas de penser ça. Et dans les eaux puissantes, un sentier. Morcé à sec en gros. Tu as mangé le gomoir, tu as souffri, bon, ça sec. Et moi, je me dis, comme je me dis, madame qui n'a pas de baba, je pose le baba dans les bras, puis à mort, c'est pour aller tranquille. Je traverse la mer rouge. Mais tout le sort, tout le peuple peut traverser, des côtés, elle miraille de l'eau. Ban qui vient par derrière, qui doit noyer. Une armée qui vient en compagnie des chars et des chevaux. Une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Devant une situation, quand nous avons confiance, comme bon Dieu qui a tout dans moi, connaît, puis la personne apporte moi qui est le rédempteur. À ça, ça m'a dit là, c'est pour Jésus-Christ, je te connais, ma famille. Ancien Testament, pour cause de l'Éternel, quoi qu'il vous mentionne Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, etc. Anéantie était comme une mèche.
L'arrête là, verset 17. Je connais, étant nous lions l'Ancien Testament, l'Éternel peut causer. L'Éternel dit, c'est moi qui me choisir. Mais quand nous lions le Nouveau Testament, et le, qui ça qui tient mon choisir? C'est là. C'est Jésus-Christ. Et bien sûr, Christ a besoin de l'intelligence. Là. C'est une manière où l'intelligence est développée. Par exemple, c'est ça qui choisit choisir de ma pierre. Ma pierre pas choisir, lui. C'est bon Dieu qui choisit. L'Ancien Testament, bon Dieu choisit. Nouveau Testament qui nous lie dans un là. Moi qui me choisis. Là, nous connaissons Dieu, Dieu le Père. Non, il n'est pas vrai. C'est bon Dieu qui choisit. C'est Jésus-Christ qui choisit. Ah ça, si Dieu met dans mon cœur, fait un tel pressé, mon ciel là-dedans, pour vous dire, allez-moi. Parce qu'on peut parler de la parole de Dieu. Prenez l'exemple. Et là, on va vous montrer maintenant. Isaïe 44. Qui nous fait presser la main parmi? Choisir ou être au service de Dieu. Comment vous pouvez servir bon Dieu? Vous pouvez servir bon Dieu dans l'attitude ou mentalité? Donc penser, ben penser de Dieu, ben parole de Dieu, ben action qui vient de Dieu. Et là, vous savez bon Dieu, même ben matériel, paye-toi l'église, paye-toi, faire ça, témoigne la parole, intercède pour quelqu'un. Si prends ça de l'inquiète, pas gêné prier avant là. Si Dieu te prend ça de l'inquiète, pas faire quelque chose, bon Dieu qui veut te donner là. Verset Esaïe 44. Écoute maintenant au Jacob. Après qui trouvé? Qui met après? Mon serviteur. Après qui nous dit après? Oh Israël, que j'ai. J'ai trouvé ça, ça va une parole là, ils ont mangé ensemble. Ils ont trouvé une parole là, mangé ensemble là. Esaïe 41. Ça qui nous dit là. Mon choisi à eux. Vous venez mon témoin. Vous êtes mon serviteur. Vous êtes mon détourné, vous n'avez pas pris en point de coup. C'est une belle vie là. Bon, on dit que je ne vais pas répéter plusieurs fois. Paul dit avec Timothée, pasteur de l'église Éphèse, rappelle-leur ces choses. Quand il y a un monde ça, comme ça, quand tu as mis en cours, parole-là doit pénétrer dans toi, parole-là doit faire racine dans toi, doit faire demeure dans toi, doit faire beaucoup de fruits. Pas être, prenons en l'air. Écoute maintenant Jacob, mon serviteur. Quand tu es à Jacob, il y a Isaac et Abraham, je prends pour moi. Israël, en Jésus-Christ, je descends dans Jacob, moi. En Jésus-Christ, je descends dans Isaac, je descends dans Abraham, je descends dans Israël. Paul pour expliquer ça. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Dès naissance, nous passons, nous. Nous ne passons pas de naissance, nous. Non. Bah, longtemps, là. Berceuse. Bal maman longtemps, pour gagner baba là, et un petit frère, dit, ça, en France, on dit ça, Sigon, il faut amener un petit baba là dans le panier. Sigon, long la bec là, il faut amener un petit baba dans le panier. Mais ici, bon, je ne sais pas, il y a l'air de la carolis, tu as aussi souvent un petit baba là. Entendez ça? Entendez? Entendez-moi? Ça baba là pour venir dans le carolis, dans la liane soussou. Pour qu'un petit baba t'allier là. Et les enfants, ils courent tout. Ça, c'est nous, hein? Ça, les enfants, non? Non. Non, ça, non. Les enfants, 3 ans, pour taper dans la même famille. Parce que nous, il n'y a une poupette, il n'y a une ménage, il y a un petit loteur de la vie. Pour taper. Écoute maintenant, Osako, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi, pour l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé de ta naissance. Quelle naissance? Naissance physique, naissance spirituelle. Ça qui plaît important, naissance physique, oui. Ça a ça, la nouvelle naissance, la bonne famille. Ça nous fondement, nous la vie, ça. C'est moi, moi qui plaît, qui verse, qui frappe moi beaucoup jusqu'à ce terre. Celui, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le fondement, nous la vie, ça. Si on est en union avec Christ, on passe par une belle naissance. Oui. Jésus-Christ dit ça avec le docteur de la loi Nicodème. Tu ne peux pas connaître la loi, Moïse, tu te dis les doigts, mais tu ne peux pas né de nouveau. Tu ne peux pas vous rendre dans le royaume, tu ne peux pas vous tout au royaume. Là. C'est ce qui est important, ça. Celui qui est ton soutien. Après, ne crains rien, mon serviteur Jacob. Vous voyez combien de fois dans la Bible, ne crains rien.
366 fois, bon Dieu, dans la Bible, nous enchaînons nouveau 366 fois. Des hommes de Dieu, c'est ça. Trois, tu parles de vérité, parle relis, moi. Pas dire pas quoi, je parle de vérité, puis Genèse, pour souligner, Dieu n'était avec Daniel, Dieu n'était avec Paul même, Dieu n'était avec Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, David, Josaphat, Ézéchias, même langage, pas gagné père. Moi avec les autres, je n'ai pas bon dans les autres, je n'ai pas bouté les autres. Est-ce que tu as le mot là? Oui. Paul pourrait prendre la Hébreu, dans vos Hébreu 13. Ne crains rien, mon serviteur Jacob. Après, qu'est-ce qu'il mettait? Mon Israël. Il n'y a pas même Israël, ça qui mettait là. Mon, mais c'est nous sommes possession. Je t'apporte néanmoins, en anglais là, you belong to me. De mon propriété. Mon Israël que j'ai choisi, parce qu'il y a des fois là, mon famille. Ô Israël que j'ai choisi, verset 1er, après verset 2 sur la fin, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Quand je répandrai des eaux sur le sol altéré, côté là, côté sec, pas qu'on est où l'âme se passe sec, il répand l'eau du Saint-Esprit, l'eau de la parole. Depuis tant de mois là, altéré est un sec, ça même toute la télévision, ben, sur l'endroit qu'on a sécheresse, toute la terre fan partout, quand on l'âme casse sec. Quand on passe dans le temps, c'est une sécheresse dans l'âme. Non, pas les sécheresses qu'on s'aime, bien dire. Les paroles là inondent les cœurs ou l'âme. Enlève tout le chose qui n'a pas bon, tout le sécheresse enlevée. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Après, qui dit là? Je répandrai mon esprit sur ta race. Paul pour dire dans son épître, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Une nouvelle création qui existait avant. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons, grande prospérité. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Nous connaissons le premier qui dit, sommes premiers. Planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Dans le second, il met un courant d'eau. Dans le dormi, il met 10 courants d'eau. Mais quand racine là, là, de l'eau là, l'herbe, se fait respect, à peine la zone, peine la plaiderie. Et Jérémie pourrait prendre ça dans Jérémie, chapitre 17. Je vais te demander à ma famille, pour respect, pour bon Dieu, pour actif, pour l'esprit en éveil, pour écouter la voix de Dieu, mais il y a une communion avec sa bonté vivante qui communique la vie là. Communique la vie. Il y a un mot en hébreu appelé Abba. Pourquoi il peut dire Ève, David, ça? Parce que Ève, c'est la mère de tous les vivants. Moi, je appelle Abba, celui qui donne la vie. Abba, veut dire celui qui donne la vie. Donne la vie. Parole-là donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Jésus-Christ donne la vie. Oui, si donne la vie, les autres. Témoin sa parole vivante, là, aux autres. Vous pourrez pas mon esprit, notre race. Parce que ça, dans Joël, ma famille. Et ça peut arriver donc, au niveau de la Pentecôte, avec des apôtres, même l'église, créée là. Dieu envoie le Saint-Esprit, quoi que ça soit déjà là avant. Il s'est un homme de Dieu dans l'Ancien Testament. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ma famille, me prononce avec amour le nom de Jésus-Christ. Me dire ça. Je ne m'appelle pas française, mais mon nom Jésus prend beaucoup dans la bouche. Moi, je ne m'appelle pas, je me cause en moi, mais c'est mon nom Jésus-Christ là. Il est dans le cœur, il est dans l'âme, il est dans la pensée, avec la foi, la reconnaissance. Pas en minute, pas qu'il n'y ait pas de fini mot. Et là, pas en minute, qu'il n'y ait pas de fini mot. L'encore vivant, la même famille. La reconnaissance envers mon Dieu. Tout le monde, quand il me joue, il se marque, ban chrétien qui me joigne, tu ne sais pas combien de temps. Après Philippe, je me dis, tu es là pour moi. Je dis, reconnaissant envers sa bonté là, après persévérer avec lui. Sa reconnaissance, toi qui déclenche la persévérance là. Sa reconnaissance qui déclenche la foi là. La foi dans la parole de Dieu, la foi dans les promesses de Dieu. Oui, frère, oui, par la grâce. Avant la grâce, on a la foi dans la parole. C'est la foi qui nous dirige nous vers la grâce de Dieu. C'est pétalement la même famille. La grâce de Dieu, mais nous faisons ce qui n'est pas bon. Parce que juste dans Tidia, la grâce mondiale enseigne nous ou détourne nous de mauvais qui te sauve. La grâce de Dieu, il y a avec l'humilité, il y a avec l'obéissance, il y a avec la soumission.
La grâce de Dieu est liée avec l'amour pour bon Dieu, avec l'amour pour les autres. La grâce de Dieu est liée avec la prière, Amen. La parole. Amen. La grâce de Dieu, quand Barnabas est en Antioche, il trouve la grâce de Dieu là. Ouais. Qui est la grâce de Dieu? Il n'a pas oublié de convertir. Il a mis la route seul de Tarse. Seul qui est une fille convertie. Ben, je suis persécuté, je suis sauvé dans ce pays, en Tarse, en Cilicie, en Syrie, ça. Bon, on a pas ça, le rôle là-bas, mais il y a un travail, bien fait là. Mais mettez moi là. Je ne sais pas combien de bananes là. Mais là, nous, ma famille, nous, ça, bon, ça, bon, on a pas ça qui est là. Comme ça, nous, faisons ce témoin là. Bon Dieu, aboye, nous, ben, témoin de Jésus-Christ. Oui. Qui est là pour témoigner? Si vous nous guérissez, non, si vous l'avez changé, si vous n'avez pas trouvé, le témoin de Jésus-Christ. Pas honte, écoutez, Jésus-Christ ne fait pas témoin, moi. Devant les hommes, moi pas vous témoigner, je demande devant l'annonce de Dieu. Mais qui a fait l'annonce de Dieu? Et comment vous pouvez faire le mouvement de l'enfant? Il n'est pas vrai. Il est important ça. Témoigner Jésus, il n'a pas honte de Jésus-Christ. Amen. Et là, on témoigne la Bible. Quand tu es allé, on parle d'enfant, qui croit que tu es allé? On parle d'adorer au bon Dieu là. Depuis que vous commencez à me convertir, moi. Persécution, l'autre pas qui dit, pas que vous parlez l'assemblée là, on parle l'assemblée, ça l'est pour vous. Vous faites l'assemblée là. Après, vous terminez là. Il n'y a pas de question de mon quartier. Mais vous connaissez pas de arrêter. Depuis dans le mois là. Après, nous trouvons ce qui nous trouvait là. Bon, Dieu choisit nous comme serviteur. Nous allons en mission, mission. Jésus-Christ dit à mon enfant, dans 15 ans, verset 16, nous trouvons là, en mission. Donc, vous terminez le second là, après, vous dites trois versets. Moi, comment c'est pour grandir? Moi, j'allais dans le bon moment. Avec les apôtres. Chapitre 13, verset 1er. Action Saint-Esprit dans la vie, mon apôtre. Action Saint-Esprit dans nous, la vie. Action. Qu'est-ce que tu dis? Après, tu te mets là. Qui te met dans ce second là-haut là? Qui mettait ce titre? Bon, là-bas, c'est Saül. Qui mettait? Envoyé en mission pour l'église. Donc, pas m'était envoyé en mission là. Il y avait dans l'église d'Antioche. Malheureusement, on a fait un désordre là-bas. Pas le parisien plus tard. L'épaule, bon, on a fait le dressement d'affaires. La capitale 15 de cause d'eau là. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs et des enseignants. Barnabas, Simeon, il y a des trois noms mentionnés là. Il y a plus que ça. Barnabas, Simeon, appelé de Niger. Lucius de Cyrène, quoi, pas mention d'autres noms après, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrope et Saul. Quoi les Saul, elles n'ont hébreu, Samuel, Saül, je peux t'en moi là. Après, vous trouvez là, son nom est Paul. Ah, c'est Paul, pas hébreu ça. Quoi les Paul, c'est un citoyen romain, peut-être pas connu. Quand c'est un citoyen romain, pour le mentir, lui. Saul de Tarse, Tarse, c'est un endroit ça. C'est capital, on appelle Cilicie, en Syrie. C'est une grande université là-bas. Mais il n'a pas dit ça au commandant Trapia Tassi pour battre leur couette. Il dit, est-ce qu'ils ont bien le droit de battre un citoyen romain? Un citoyen romain, lui. Par exemple, nous qui nous souhaitions avant. Citoyen britannique. Avant l'indépendance. C'est pétalement, ma famille. Avant nous, citoyen britannique. Moi, j'ai un passeport britannique, moi. Moi, j'ai un passeport. Pas de quoi mentir, j'ai un passeport britannique, moi. Là, 17 ans, tu as l'angleterre, maman m'a dit que je suis trop jeune. Alors, moi, je suis là. Mais bon, tu es dans ce plan, là. Ça, Paul-là, en fait, son nom, c'est Paulus. Nom romain, ça. À ça, oublier le nom, nous être dit comme serviteur de Dieu. Amen. Qui nom qui nous est là? Nous pas responsables qui famille nous n'est. Sanctifiez-nous, non, par le sang de Christ. C'est important, ça. Il y avait dans l'église, dans tout ce que nous trouvons là. Verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère. Pourquoi qu'il servait bon Dieu en dehors au ministère? Ministère, il dit, c'est le mot servir, mais c'est un ministère. Elle ministre. Nous la ministre dans le pays là, nous. Ministère, ça servait le peuple. Moi, le ministre de l'évangile, moi, je servais bon Dieu et servais le peuple. C'est un gars qui m'a prié pour moi. Ils n'ont pas gagné le temps, moi. Mais qui fait un ministre de l'évangile? Ils n'ont pas gagné le temps? Parce que là, non, mais j'ai obéi. Je vais prier l'eau, la rue, tout le monde. Je vais prier l'eau, la rue. Quel père quitte la case, père. Je vais vous témoigner à ça. Quelle femme doit pas aller? Dans la place de Binet, c'est dans la tannerie, là. Et quelle femme? Mon père, il a l'argent prêté.
Mon père connaît l'argent prêté, mon père s'apprête là. Sa situation plus pas bon que moi. Mon père a l'argent, lui, petite femme d'enfant. Vous restez deuxième temps de passer à traiter là, pour que vous puissiez éclairer là. Est-ce que c'est un complément, bon Dieu? Ce banque d'enfant mort dans le Seigneur. Pas qu'à servir bon Dieu en dehors de sa parole. Pas qu'à servir bon Dieu en dehors de la prière. Qu'il servait le Seigneur dans le ministère. Et qu'il jeûnait. Si vous voulez prendre ce courant, je dis d'un culte d'adoration. Dis avec moi un culte d'adoration. Là, un culte d'adoration là. Mais c'est un bon Dieu dans notre ministère. Le Saint-Esprit dit, quand Saint-Esprit l'a causé là, la prison. Non. Banal rassemblé là. Plus, ça ne pas non, il met là. Bien plus beaucoup de là. Parce que des prophètes, des restes, des docteurs au pierrier. Non, tu n'es là-bas dans le bambou. Non, elle la voit sur la fatac. On t'a mené la voir loin. Non, non. Le Saint-Esprit dit, avant qu'il y ait un là, bon, c'est bien qu'il y ait un message. À la message là. Mettez-moi à port, bon, en bas, c'est seul. Ou l'œuvre à laquelle je les appelais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça qui m'ont choisi. Je peux tout à port là. Mais la plaisir là, ma famille. Mais bon, Dieu, il choisit un travail spécial. Quoi, ben là, aussi, prends la parole. Mettez-moi à port. Bon, là-bas, c'est seul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Alors, mission, non, il n'est pas vrai. Pas leur mission. Après, en voyant mission là-haut, là, dans ce mail, ils mettent à leur mission, là. Dans le français courant, ils disent à leur mission. Quand tu peux aller, pour le banque pour aller. Mais tu veux une mission, mission pour aller. Dans le français courant, ils disent mission pour aller. Est-ce que vous connaissez ma mission, nous? Un travail, ça. C'est la mission, des petits points, ça a lieu guérison. Mission, petit point, un travail. Alors la commission, une commission. Pas juste pasteur. Un là, où là, je ne sais pas comment il un chrétien. Un point qui fait une fraude. Un qui fait une fraude. Un point qui fait une fraude. Un point qui fait une fraude. Il y a un fait une fraude, je ne sais pas comment il a. Après, il y a une parole. Je ne sais pas comment il a connu un chrétien. Je dis, hein? Je ne sais pas comment il a connu un chrétien. Vous dites, ben, vous ne pas connaître. Les laïcs, ben, pas connaître, ben, chrétien. Premier jour, moi, les une Pepsi, trois bananes, mon frère. Premier jour, ben, il y a une mission de Binala. Premier jour, moi, quand les une Pepsi, on fait travail. Ben, là, il y a une mission de Binala. La bouche, pas causée. Moi, la même marche toujours, moi, la bouche, marche toujours. Depuis ça, qu'elle bague la cour, là, ça, ça, personnel, management, quoi. Beau bassin, drapeuse, quatre bonnes. C'est, si pas le barreur, là, qui c'est, là. Et quand ils rentrent dans sa boba faire là, pleurent mes enfants, pile beaucoup de carrière, mais l'homme à glace. Le Saint-Esprit, pas une bâtiment de Saint-Esprit. Pleurent mes petits babas, pleurent l'homme pour les smiths trempés tout. Un bel homme, mon père. T'as pas peur de sa parole là. T'as pas peur de sa parole là. Ou, mec, vous êtes là, gros, qui t'a. Mais je sais pas si ça m'a l'habit quand la pauvre ferraille là, lui. Non, il est bon avec lui. Est-ce que nous continuons là? Alors, après avoir jeûné, on pas trouvé une choisie à toute la même famille. Oui. Mais pas ce qu'on est bon à base, parce que mon Dieu nous choisit à nous ici. Oui. Si bon, il est bon, nous apporte, mais d'abord, pas besoin de rester le beau montagne, donc il n'y a mal comprend. Elle reste le fond de montagne, elle monte la case, donc on va observer le mot, le montagne. Avec ça, retirer du monde. Bon Dieu, pas retirer nous du monde. Nous dans le monde, mais donne la parole. Quand vous êtes du monde là, non, le montagne. Le montagne qui pas jeune là-bas. Ouais, ben, les oiseaux. Reste pas les hommes démorcés. Mais c'est dans le monde là, pour une parole là. Alors, après avoir jeûné et prié, ça dit faire une famille. Il c'est sa man qui est là. Il c'était man les autres prophètes enseignant qu'il a un homme de Dieu. Impose la main, bonne abbas avec Saul. Vous connaissez, avant mon timide l'église, parlement, vous faites 13 ans, 7 mois, leur comité exécutif. Et toi, pour qu'il y a un problème, je ne peux pas vous parler comme pasteur. Il n'y a pas de mot seul. Je ne peux pas vous parler comme pasteur. Et le comité, c'est le comité qui fait vous là. C'est bon Dieu qui fait vous là. C'est à peu près 8, quand même 10 pasteurs là. Je tout mis dans les mains. Je tout mis dans les mains pour avoir moi comme pasteur là. Et moi, je fais 13 ans, 7 mois là. Mais avant qu'il m'en aille, tu veux qu'il mette là. Ça va, homme de Dieu qui est là, il y laisse. Il leur imposait les mains et les laissait partir. Après, il nous lit verset 4. Je vais bien suivre, je vais bien suivre, je vais arrêter. Vous ne dites pas, vous pouvez suivre ici. Verset 4 qui mettait,
Bon, qui ça qui envoie ça? Hein? Allez là. Prends ce courant. Oui, là, prends ce courant. Qu'est-ce qui mettait ici là? Bon, verset 4. Bon, avant, c'est seul ainsi envoyé en mission. Le carême, il y a eu là, qui dit. Envoyé en mission par le Saint-Esprit. Qui ça peut avoir un seul en mission? Le Saint-Esprit de Dieu. Malgré tout, il impose toutes les mains. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez là? Envoyé en mission. Ton titre envoyé en mission. Dans le second, en titre. Mais tu as choisi, elle met ta part. Mais apporte sa parole là aux autres là. Bon, là-bas, c'est seul. Envoyé par le Saint-Esprit, descendu à celui-ci, et de là, il s'embarquait pour l'île de Chypre. Elle travaille pour me terminer là. Qui travaille t'as fait là? Arrivé à Salamine, c'est un premier voyage missionnaire pour ça. Trois voyages missionnaires pour le faire. Tout à l'Empire romain là, on dit au bord, tu donnes parole. Ça, forme ban l'église, forme ban ancien. Tu détruis l'église avant, tu construis l'église avant. Pour les voir, ça a envoyé par le Saint-Esprit, descendu à celui-ci, là, verset 5. Arrivé à Salamine, il annonçait la parole de Dieu dans les synagogues de Dieu. Synagogue au Pierre-Yel. Ensemble, nous payons la même famille. Arrivé à Salamine, un endroit ça, il annonçait la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour elle. Jean là, vous l'avez dans l'exemple chapitre 12, verset 12. L'église, quand Pierre est dans la prison, la case, son maman, c'est de prier. Jean mort, lorsque la case, son maman, Marie, mère de Jean mort, l'église s'est rassemblée pour prier pour Pierre qui est dans la prison. Bon, tiens, il y a un ange à délivrer Pierre. Et quand Pierre est une fille délivrée, maintenant qu'on peut prier. Et quand il y a une table à la porte, maintenant qu'on peut prier, une fille délivrée. C'est un serment d'appel Rode, Pierre de haut. Maintenant, il y a une prière, il y a tout faux. Et il a réussi de prier, puis il est folle. Qu'est-ce que tu pries ce temps-là? Quand même quand on sort du rayon, il n'y a pas le cause de l'orgasme cabot, c'est bancal, hein? Plein de rayons pour prier. Après l'apôtre chapitre 12. Pierre de haut là. Pierre, bon, il a dit avec rapidité, il décale. Rapidité. La prière n'est pas encore finie délivrée là-bas. Ou la prière n'est pas encore finie, puis il y a un miracle là. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, sorcier ça, faux prophète, pas de faux langue, parlez-moi, pas de faux style, parlez-moi. À cause de ça, pas de faux langue, c'est pas de nos autres. Hein? Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Bar là, je crois que fils, c'est pas qui ça fait, ben oh, il est brûlé. Mais moi, je prends ça, tu vas pas me faire Bar Jésus, toi. J'appelle Bar Jésus, tu vas me faire Bar Jésus, nous mettre Bar dans toi la roue, pardonne-toi Bar, pardonne le diable Bar. Annonce la parole de Dieu. Bon Jésus. Donne bon Jésus, donne bon l'évangile. Nous mettons 10 bas coulous dans la roue. Tu as la roue. Pas qu'à sur la roue. Mais bon, tu as la roue dans le Philistin. Comme il va dîner là. Il va dîner sérieux là. Verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Il vient qui en sort, à l'endroit là. Même gouverneur. Ce dernier puis appelé, bon, mais il apprend qu'il faut les. Avec Barnabas, il donne la parole, il a envie de sa parole là, lui. Ce dernier puis appelé Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Verset 8. Mais Elimas, le magicien, quand c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Hey, t'oppose-toi l'évangile, bon Dieu pour renverse-toi là. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Ah, verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, vous savez bien, pas faire ça qui Paul, si rempli de Saint-Esprit, fait ça. Donc quand vous voulez la parole hein, qui t'aime, vous êtes solidier, vous êtes connu là, vous êtes avec. Non, bien, bien, hein. Non, vous êtes un témoignage, vous entendez, et livré. Un frère, ça le crédit dans quincaillerie. Pas bien mentionné le nom là. Ça le crédit dans quincaillerie, propriétaire de Suisse, au nom de l'Éternel. Ou quincaillerie pour fermer une semaine. Eh bien, pas ça, mais nous, bon, c'est dans la ville, hein? Pour qu'il y ait quincaillerie avec pasteur, là. Tout ce qu'on a. Il dit, Allah, où sommes qui m'ont dit à moi? Vous savez pourquoi? Fais attention, pas ça, mais le nom de Dieu en vain, la Bible. Pas ça, mais le nom de Jésus-Christ en vain. Est-ce que tu peux suivre, là? Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Verset 11. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, vous appelez ça le miracle de jugement, ça. Hein? Bon, tu appelles le professeur de la prière, là, clairement là. Bon, tu as une autre façon. Alors, bien, quelle bien bonne parole que nous prononcer.
Pas dire mon frère m'a élu le prophète, si pour réclame du fait de sang, de fait qu'on est là. C'est qu'ils ont exactement mal à dire ça. Et toi, quand tu as à Samarie, pas d'impression là, ben on refuse pour recevoir Jésus. Parce que Samaritain, je suis parti de la cour. Puis il dans sa porte, puis Philippe a annoncé sa parole là-bas. Qui est Pierre-Jean qui dit, Seigneur, ordonné qui dit fait descendre les autres. Jésus-Christ dit, de quel esprit êtes-vous animé? De quel esprit êtes-vous animé qui nous détruit la vie du monde, nous? Jésus-Christ a mis béni pour sauver, non pas pour détruire. Alors, vous devez connaître, par contre, ça a été l'intérêt à la prière qui nous fait. Aussitôt l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui. J'ai expliqué ça. Et c'est la séance attendant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il faut parler de l'aime, mon famille. Mais je parlais de François Courant, mais où il y a François Courant, que tout. Il est bien clair. Nous tous, nous avons une mission, envoyée de Dieu, choisir pour servir le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'un bel diplôme, certificat, si vous avez Jésus-Christ dans vous. Vous ne pouvez pas avoir un bandit, mon Seigneur. D'ailleurs, c'est un travail que nous avons fait. Voilà, mon famille, peut-être la même.